Dans cette vidéo, je vais vous montrer et vous expliquer en détail une technique qui va vous permettre d'améliorer rapidement et facilement vos photographies de paysage et qui va surtout vous permettre de révéler des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Alors vous l'avez peut-être deviné, cette technique, il s'agit de la pose longue, qui est une technique qui est vraiment utilisée énormément en photographie de paysage et qui va donc vous permettre de créer des effets de filet sur l'eau. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer une manière très simple et surtout très intuitive pour utiliser cette technique. Vous allez voir qu'on ne va pas s'embêter à calculer des vitesses d'obturation en fonction du filtre que l'on va utiliser. Je vais vraiment vous montrer étape par étape une méthode très simple à utiliser. Surtout si vous débutez en photographie et que vous avez encore du mal à comprendre les notions d'exposition et de diaphragme. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en bord de rivière pour voir comment fonctionne cette technique. Allez, je me suis mis un petit peu plus loin pour pas avoir le bruit de la rivière qui est juste derrière moi et pour vous expliquer un petit peu le principe de la pose longue avant de passer à la pratique. Alors pour faire une pose longue, il faudra forcément utiliser une vitesse d'obturation qui sera lente afin de lisser vraiment la surface de l'eau. C'est ça qui va créer cet effet de filet qui est vraiment spécifique à cette technique. Et surtout, plus le courant de l'eau sera faible, plus il faudra utiliser une vitesse d'obturation qui sera très lente. Le problème, c'est que si on photographie en pleine journée, comme c'est le cas juste derrière moi, eh bien la vitesse d'obturation va pas être assez lente pour pouvoir lisser vraiment la surface de l'eau, même si on va utiliser des sensibilités ISO qui seront très basses, on n'aura jamais cet effet de filet sur la surface de l'eau. Et donc pour contrer ce problème, on va utiliser ce qu'on appelle un filtre ND. Alors un filtre ND, ça se présente comme ceci. Là, c'est une série de filtres ND que j'ai à ma disposition. Donc c'est un petit disque que l'on va venir visser à l'avant de l'objectif et qui va avoir comme conséquence d'assombrir l'image. Ça va vraiment fonctionner comme des lunettes de soleil. Si je vous le mets par-dessus l'objectif qui est en train de me filmer, vous voyez que ça va vraiment assombrir l'image. Et c'est donc ça qui va me permettre de pouvoir baisser la vitesse d'obturation et utiliser une vitesse qui sera très lente, même en pleine journée et même s'il y a beaucoup de soleil. Alors personnellement, j'utilise des filtres ND de la marque Case qui sont vraiment très pratiques à utiliser. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet sur ce kit qui est vraiment très intéressant. Et la grosse particularité, c'est que ce sont des fils qui sont magnétiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un système d'aimant qui va permettre de les superposer très facilement sur l'objectif. À l'intérieur, on va retrouver trois fils différents. On va retrouver tout d'abord un ND1000, un ND64 et un ND8. Alors si vous ne connaissez pas les filtres ND, cette valeur va indiquer la puissance du filtre ND, c'est-à-dire l'assombrissement que va produire le filtre ND sur la photographie. Et c'est là où beaucoup de débutants en photographie s'y perdent un petit peu parce que selon la valeur du filtre ND, ils ne savent pas trop quelle vitesse d'obturation utiliser pour obtenir une bonne exposition et surtout un bel effet sur l'eau. C'est donc pour ça que je vais vous expliquer une manière très facile et très intuitive pour utiliser ces filtres ND et ne plus vous tromper sur la vitesse d'obturation à utiliser. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi juste derrière à la rivière. On va voir comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve derrière l'appareil. Donc là, j'ai fait mon cadrage. Donc moi, en photographie de paysage, j'aime bien faire ce genre de composition avec un élément au premier plan qui va donner de la direction et de la perspective dans la photographie. Et là, on voit clairement le rocher au premier plan. Il va donner vraiment la direction pour aller vers la montagne qui est au fond. Alors là, actuellement, j'ai la montagne qui est au fond, qui est un peu trop surexposée, qui est au soleil. Je vais vous expliquer après comment rectifier ça. On verra en post-traitement comment combiner plusieurs photographies ensemble avec différentes expositions. Alors, quelques petits conseils pour bien préparer une pose longue. Moi, je vous conseille de faire la mise au point automatique ou la mise au point manuelle. Ça va également fonctionner avant de mettre votre filtre ND parce que parfois, la mise au point automatique peut avoir du mal à se faire si on vient mettre un filtre ND qui a une valeur très élevée. Si vous avez un objectif qui est stabilisé, je vous conseille de désactiver la stabilisation lorsque vous êtes sur trépied, notamment si vous utilisez un réflexe numérique, parce que la stabilisation va essayer de compenser des mouvements qui n'existent pas et parfois on peut se retrouver avec du flou de bouger inutile sur notre pose longue. Donc n'oubliez pas de désactiver la stabilisation. Et afin d'éviter également tout flou de bouger lorsque l'on utilise des poses longues, il faut vraiment éviter le moindre mouvement. Je vous conseille également d'utiliser une télécommande de déclenchement afin d'éviter d'aller appuyer sur le déclencheur. Alors moi ici, j'en ai pas, donc la solution c'est également d'utiliser un petit retardateur. Donc là, j'ai mis un petit retardateur de 5 secondes, ce qui me permet d'avoir un objectif et un appareil photo qui va être totalement stable au moment de déclencher. Et pour les mêmes raisons, si vous êtes sur réflexe numérique, n'oubliez pas également de relever le miroir. C'est généralement une option qui se trouve sur la plupart des appareils photo réflexe modernes et qui va vous permettre d'éviter en fait d'avoir le miroir qui va se relever au moment de déclencher, qui va créer des micro-vibrations qui seront visibles sur votre pose longue. Alors avant d'utiliser un filtre ND, je vais vous expliquer un petit peu les réglages et pourquoi ce genre d'ustensile est vraiment très utile pour faire des poses longues. Il est vraiment indispensable, surtout lorsque l'on photographie en pleine journée comme c'est le cas actuellement.
Donc là, vous voyez que dans la situation où je suis, j'ai une ouverture de F8 qui est généralement une ouverture qui est intéressante pour la photographie de paysage, qui me permet d'obtenir une profondeur de champ qui est assez grande, et que je suis également à ISO 64, qui est donc la sensibilité ISO la plus basse sur le Nikon Z9, qui me permet d'obtenir la meilleure qualité possible. Et bien, vous voyez que là, même en pleine journée, avec une sensibilité ISO qui est vraiment très très basse, je n'obtiens qu'une vitesse d'obturation de 1/10 pour obtenir une bonne exposition. Et 1/10, c'est une vitesse qui est assez lente pour la photographie animalière ou le portrait, mais en photographie de paysage, lorsque l'on veut vraiment créer des filets sur l'eau, c'est pas du tout suffisant. Je vais vous montrer tout de suite. Si je prends une photographie à 1/10 de seconde, vous allez voir que la vitesse d'obturation va pas me permettre de créer vraiment un effet suffisant sur l'eau. Si je regarde maintenant la photo qui a été prise, vous voyez que l'eau, elle est un petit peu avec un effet de filet, mais c'est vraiment pas suffisant. C'est pourquoi on va utiliser un filtre ND. Alors pour les besoins de cette photo, je pense que je vais partir sur un filtre ND 64 qui sera, je pense, largement suffisant. Donc l'avantage des filtres case, comme je vous l'ai dit, c'est que on va avoir un système magnétique qui me permet de poser directement le filtre sur l'objectif. Et donc vous voyez que là, ça a vraiment comme effet d'assombrir complètement ma photographie. Et c'est donc cet effet d'assombrissement qui va me permettre de diminuer la vitesse d'obturation et donc d'utiliser une vitesse d'obturation qui sera beaucoup plus lente et qui donc me permettra d'aller vraiment lisser la surface de l'eau. Et là où beaucoup de photographes débutants se trompent, c'est qu'ils ne savent pas vraiment quelle vitesse d'obturation utiliser pour obtenir la même exposition que sans filtre. Et je vais vous expliquer tout de suite comment ça fonctionne. Alors la seule chose à savoir, c'est de connaître de combien de stops ou de diaphragmes mon filtre ND va diminuer la luminosité. Alors pour faire simple, un stop ou un diaphragme, c'est exactement la même chose. Il y a différentes façons de l'appeler. Un stop, c'est en fait lorsque l'on va augmenter ou diminuer la quantité de lumière qui arrive dans l'objectif par 2. C'est une notion fondamentale à comprendre en photographie, et selon la valeur du filtre ND que l'on va utiliser sur l'objectif, on va justement descendre la quantité de lumière d'un certain nombre de stops. Alors je vous mettrai par-dessus la vidéo un tableau récapitulatif, mais il faut savoir que pour un ND8, on va diminuer la lumière de 3 stops. Pour un ND64, on va diminuer la lumière de 6 stops. Et pour un ND1000, on va diminuer la lumière de 10 stops. Et donc là, comme je l'ai dit juste avant, j'ai utilisé un filtre ND64. J'ai donc diminué la quantité de lumière qui arrive sur mon capteur de 6 stops. Alors, on pourrait s'amuser à essayer de calculer exactement la vitesse d'obturation qu'il faudrait utiliser pour obtenir la même exposition que sans le filtre ND64. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais pas compliquer la vie. Je vais juste utiliser un principe très facile à comprendre. En fait, il faut savoir que lorsque je vais venir tourner la molette de la vitesse d'obturation qui se trouve juste ici, je vais avoir un effet cranté, et lorsque je vais descendre la vitesse d'obturation d'un cran, je vais diminuer la vitesse d'obturation d'un tiers de stop. Donc une fois qu'on sait ça, c'est vraiment très simple de comprendre quelle vitesse d'obturation utiliser pour obtenir les 6 stops de différence, parce que en fait, pour obtenir un stop de différence, il me suffit de faire 3 crans. Donc là, j'en ai déjà fait un, donc je vais faire un deuxième cran et un troisième cran, et donc là, je sais que j'ai diminué ma vitesse d'obturation d'un seul stop. Et donc comme là, j'utilise un filtre ND64 qui me fait perdre donc 6 stops de luminosité. Pour récupérer ces 6 stops sur ma vitesse d'obturation, il faudra donc que je tourne la molette de ma vitesse d'obturation de 6 fois 3 crans, donc de 18 crans pour récupérer mes 6 stops de luminosité. Donc je vais retirer le filtre ND pour voir la vitesse d'obturation que j'avais sans le filtre ND. Donc j'étais à ISO 64, F8 et 1/6 de seconde. Je vais remettre le filtre ND, et donc comme je l'ai dit, je vais tourner la molette de ma vitesse d'obturation 18 fois pour réobtenir exactement la même exposition. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais tourner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 fois, ce qui me permet donc d'obtenir une vitesse d'obturation de 10 secondes. Et là, je suis sûr que j'aurai exactement la même vitesse d'obturation que sans le filtre ND. Donc maintenant que je sais que j'ai obtenu ma bonne exposition, je vais déclencher, et donc on va obtenir une pause longue de 10 secondes et vous allez voir le résultat. On va obtenir un très bel effet de filet sur l'eau. Donc voilà, ma pause longue est terminée. Donc si on regarde la différence, vous voyez que là, au niveau de l'eau, on a vraiment une eau qui est vraiment très lissée et on obtient un effet de filet vraiment très intéressant. Alors maintenant, imaginons que je trouve que l'effet de filet n'est pas assez prononcé et que je n'ai pas d'autres filtres ND beaucoup plus puissants à ma disposition. Comment faire pour obtenir un effet plus prononcé et surtout la même exposition? Et bien pour faire ça, c'est très simple. On peut aller jouer sur les autres réglages qui sont à notre disposition, à savoir l'ouverture du diaphragme,
ou la sensibilité ISO. Là, le problème, c'est que ma sensibilité ISO est déjà au minimum. Je ne peux pas jouer sur la sensibilité ISO. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'ouverture du diaphragme. Je vais fermer un petit peu plus le diaphragme pour obtenir une vitesse d'obturation qui sera plus lente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon ouverture du diaphragme, par exemple, pour passer à F13. Et donc là, vous voyez que ma photographie va s'assombrir. C'est tout à fait normal parce qu'il y a moins de lumière qui va entrer sur le capteur. Et donc, il va falloir que je diminue encore ma vitesse d'obturation pour obtenir la même exposition. Alors, encore une fois, je vais pas m'amuser à calculer la bonne vitesse d'obturation à obtenir. Je vais juste revenir à F8 et je vais utiliser ce même principe de cran de 1 tiers de stop lorsque l'on vient bouger les molettes de réglage. Donc là, ce que je vais juste faire, c'est regarder combien de fois je tourne la molette pour passer de F8 à F13. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais passer à F9, ça fait une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc j'ai tourné quatre fois la molette du diaphragme. Donc ce que je vais faire pour compenser la perte de luminosité, c'est que je vais tourner quatre fois la molette de la vitesse d'obturation. Donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, ce qui me donne une vitesse d'obturation de 25 secondes. Et là, je sais que je vais obtenir exactement la même exposition que les deux photographies d'avant. La seule différence, c'est que je suis à une vitesse d'obturation de 25 secondes, ce qui va me permettre d'obtenir encore plus d'effets de filet sur la surface de l'eau. Donc, je vais déclencher. On va voir le résultat le temps que la photographie se passe. Donc voilà, la photographie est terminée. On voit que la surface de l'eau a été beaucoup plus lissée. Et si je compare maintenant avec la photographie qui a été faite à F8 et 10 secondes, on voit qu'on obtient exactement la même exposition, parce qu'on a juste fait un simple calcul en utilisant les molettes. Alors là, le problème, on le voit à l'écran, c'est en train de clignoter. Cela signifie que le haut de ma photographie est surexposé. C'est normal parce que la montagne qui est là-bas est encore au soleil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une même photographie en sous-exposant un petit peu, ce qui va me permettre d'obtenir une bonne exposition sur la montagne du haut. Et ensuite, j'assemblerai les deux photographies en post-traitement. Donc là, je vais rester à F13 et pour sous-exposer, je vais juste jouer sur la vitesse d'obturation. Donc, je vais partir peut-être sur une vitesse d'obturation de 10 secondes et je vais reprendre la photographie. Et ensuite, on verra sur ordinateur comment assembler les deux photographies pour obtenir une bonne exposition sur l'ensemble de l'image. Voilà pour la technique de la pose ongle. Donc vous voyez, une technique qui est vraiment très simple, surtout lorsque l'on a compris ce système de déplacer le cran de la vitesse d'obturation d'un certain nombre pour compenser la perte de luminosité du filtre ND. Donc le plus important, c'est vraiment de savoir de combien de stops votre filtre ND va diminuer la luminosité et donc de compenser avec la molette de la vitesse d'obturation pour obtenir la même exposition que sans le filtre. Alors par contre, attention, parce que selon votre appareil photo, lorsque vous allez tourner d'un cran la molette de la vitesse d'obturation, c'est possible que ça vous diminue ou que ça vous augmente directement d'un stop. Généralement, cette histoire de 1 tiers de stop, c'est un réglage qui se trouve dans le menu de l'appareil photo et qui permet d'obtenir des valeurs intermédiaires en termes de vitesse d'obturation, d'ouverture du diaphragme, de sensibilité ISO. Donc n'oubliez pas de regarder sur votre appareil photo si vous n'êtes pas sur un décalage de 1 stop ou 1 tiers de stop et donc de calculer en conséquence la valeur à obtenir sur votre vitesse d'obturation. Alors je vous montrerai dans une autre vidéo le post-traitement de cette photographie et notamment comment assembler les deux expositions ensemble pour obtenir une bonne exposition sur l'ensemble de la photographie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer cet épisode. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous avez également la possibilité de télécharger mes 3 guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides PDF. Et si vous pratiquez déjà les poses longues en photographie, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire pour en faire profiter les plus débutants. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut YouTube!